Allez, Benjamin Lévy, attention, top pour Benjamin Lévy. Il y avait des champions et aussi des pratiquants. Donc ça fait vraiment une manifestation qui se passe dans la reconnaissance du passé et qui donne aussi tout ce qui est l'étendue du sport guadeloupéen. Il y a beaucoup de coureurs internationaux qui viennent et qui découvrent la Guadeloupe et qui découvrent aussi l'engouement que la population a pour ce sport. C'est quand même le sport phare en Guadeloupe. Dès petite, j'ai été dedans. Je suis contente d'être ici pour la 72e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe. Jusqu'à maintenant, les Guadeloupéens, ils n'ont pas encore gagné une étape. Mais la seule chose que je souhaite, c'est qu'avant le Tour se termine, qu'ils gagnent une étape. Si on veut bien gagner aujourd'hui, on va exploser. On sera content, surtout dans une étape de montagne. Mais je pense qu'on a les qualités. On a des coureurs qui sont capables de le faire. S'il n'y a pas de tour de la Guadeloupe est morte. Ah ouais, on attend ça avec impatience. Et nous sommes tous unis vers une seule chose. Voir un Guadeloupéen gagner la course, qui sait. Aujourd'hui, Lenny fait un tabac. On est tous soudés et c'est un beau moment qu'on partage tous ensemble. Allez, Benjamin Lenny, attention, top. Benjamin Lenny. La Guadeloupe attendait cette victoire, notamment Henri Chalut ce matin. C'est une super victoire, en plus je suis allé la chercher de très loin. Je suis parti au kilomètre 25 ou 30. Tout le monde a dit, mais Missier est vraiment fou. C'est une commune montagneuse, il y a les courageux qui arrivent en premier, et les courageux, ce sont des Guadeloupéens. L'année dernière, je l'avais dit, que ce sera encore mieux cette année, 2024, on explose tout ça. Thomas, je l'ai dit au départ, que nous avions les qualités pour gagner l'étape d'aujourd'hui. J'ai dit aux coureurs, ayez confiance en vous. Donc nous avons de bons cyclistes aujourd'hui, je suis vraiment très content, très fier de ce doublé Guadeloupéen.